qui vous a invité ici? Elle est où? L'homme, si c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des grâces retenues dehors. Vous avez trop de grâces retenues dehors. C'est-à-dire que je vous ai vu, il y a des grandes connexions dans votre vie. Mais vous n'arrivez pas à tirer profit de ces connexions. Quand vous allez rentrer après ce culte, vous allez dire merci à votre épouse parce que ce qui est dehors, qui vous appartient, les gens vont vous appeler pour vous remettre. Oui, papa. Merci, papa. Est-ce que vous comprenez? Il y a des opportunités. À partir de maintenant, j'active les opportunités de votre vie dans le nom souverain de Jésus. Amen. Je peux vous surprendre. L'homme, c'est un millionnaire. Hein? Ça, c'est un millionnaire. Amen. C'est un millionnaire. Regardez. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Suleiman. Hein? Oui, qui a votre argent. Ça fait longtemps. Oui, papa. Et j'ai vu la personne vous appeler. Oui, papa. Suleiman va vous appeler. Et ça, c'est une histoire de 3 millions. Ça fait longtemps. Oui, papa. Et cet homme va vous appeler. J'ai vu votre téléphone sonner. Oui, papa. Et j'ai vu le numéro de cet homme sur votre téléphone. Oui, papa. Et j'allais vous appeler pour dire non, viens. Viens, viens. Viens, s'il te plaît, je demande pardon d'avoir retenu ton argent. Est-ce qu'on peut se voir? Et vous donnerai rendez-vous. Vous allez aller. Et Suleiman va vous remettre, Allah dit Suleiman, il va vous remettre votre argent. Et son numéro c'est 699-99-91. Il y a deux chiffres que je ne veux pas donner. Il va, hein? Amen, papa. Oui, il va vous appeler. Amen. À partir de l'argent que vous recevrez de lui, votre vie ne sera plus jamais la même au nom souverain de Jésus. Amen. Amen. Parce que je vous vois travailler avec beaucoup de nordistes, vous. Hein? Papa. Je vais travailler autour de beaucoup de nordistes. Amen, papa. C'est ça? Effectivement. De beaucoup de nordistes. Effectivement, papa. Et Dieu. Est-ce que je peux faire ça? Professeur. Est-ce que vous croyez que je suis un prophète? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Madame, ne pleurez pas. Amen, papa. Préparez-vous. Amen. Vous savez, laissez-moi vous montrer quelque chose. La femme, si a beaucoup souffert pour vous. Dieu me dit qu'elle a beaucoup souffert pour vous. Ça, c'est la femme de votre honte. Ça veut dire qu'elle vous a connu quand vous n'étiez rien. Dieu a commencé à vous bénir. Amen, papa. Et il y a des choses. Il y a Baba Aliou. Il y a un monsieur qu'on appelle Baba Aliou. Que j'ai vu qui est avec vous. Et Dieu m'a dit de vous dire que ce collègue à vous sera une bénédiction pour vous aussi. Amen, papa. Hey! Attendez, est-ce que je peux parler à l'homme-ci? Yes, professeur. Je peux vous parler? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Baba Aliou va vous surprendre. Dieu va l'utiliser pour vous connecter à certaines personnes qui seront pour vous un sujet de bénédiction. Amen. Je veux un ange nettoyer les larmes de vos yeux ce matin. Yes. Amen. Vous n'allez plus pleurer. Yes. Parce que vous voyez un homme. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous dites hein, que ce n'est pas vrai. Papa, c'est vrai. Je vous ai vu, j'ai vu l'homme-ci pleurer. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis arrivé chez vous. Vous m'avez reçu dans votre maison un jour. Non, papa. Je suis arrivé chez vous. Quand je suis arrivé dans votre maison, je suis entré dans un salon. Hein? Oui, papa. C'est un studio. Oui, papa. Il y a un salon. Oui, papa. Il y a des chaises en bois, avec une petite chaise en bois, oui, un guéridon en bois. Oui, papa. Où vous vous asseyez, il y a un petit siège où vous vous asseyez, c'est deux places. Oui, papa. C'est pas trois places, c'est deux places. Oui, papa. Le bout c'est en bois, oui, papa. Avec des éponges, oui, où on s'assoit et on s'adosse. Oui, papa. Et vous vous asseyez souvent là, c'est où elle vous sert le petit déjeuner. Amen, papa. C'est ça? Hey. Et quand on s'assoit dans votre salon, il y a un petit meuble. Il y a un petit meuble en face. Oui, papa. Hein, parce que le mur est comme ça. Il y a un petit meuble en oui, face papa. De couleur noire. Oui, papa. Avec un téléviseur oui, de couleur noire. Oui, papa. Avec un décodeur. Oui, papa. Et puis avec le fil du câble. Oui, mais qui ne passe même pas. Parce qu'il y a eu un problème dernièrement avec le câble. Hey. Elle s'est fâchée. Elle a appelé votre câbleur. Oui, Ousmane. Oui. Ousmane. 699. 90, 91, 0 quelque chose. Vous avez appelé le câbleur qui vient remettre sur le channel. Sinon, vous ne payez plus. Vous lui avez dit ça. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, vous avez fini de manger, vous êtes rentré du travail. Et vous êtes arrivé, vous avez fini de manger, vous êtes rentré dans votre chambre. Vous étiez assis, vous étiez torse nu et avec votre petite culotte. Parce que vous avez un petit culotte noir, de couleur noire comme ça que vous aimez. C'est un peu fendu ici comme ça. Il aime rester en culotte. Et vous étiez dans votre chambre, vous étiez assis. Elle vous a trouvé en train de pleurer. Vérité, papa.
vous a demandé, tu pleures quoi? Vous l'avez appelé Doudou. Vous appelez cette femme à la maison Doudou. Vous l'avez dit Doudou. Je pleure sur ma vie. Je ne sais pas si les malédictions de mon père sont en train de se répéter dans ma vie. Vérité, papa. C'est ça? Vérité, papa. Elle vous a dit, ne t'en fais pas. Le prophète est en train de venir. Nous allons partir en CST. Sarah Miwa in Haslemerosa.